Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration et du gouvernement canadien. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos avec tous vos contacts, laissez like et commentaires afin que notre travail puisse atteindre un maximum de personnes possibles, surtout ceux-là qui ont le désir de venir recommencer une nouvelle vie ici au Canada. À travers nos vidéos, nous vous aidons dans vos démarches, nous vous expliquons comment se font les procédures d'immigration pour venir ici au Canada, quels sont les documents que vous avez besoin pour entamer votre processus. Une question qui a été posée, peut-on venir au Canada sans un visa? Donc, je vais répondre oui et non. Oui, on peut venir au Canada sans un visa. Non, on ne peut pas venir. Ça va dépendre le pays en question. Mais aujourd'hui, je vais seulement relater les pays ou les citoyens qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. C'est l'objectif de cette vidéo. Les voyageurs dispensés de l'obligation de visa, mais ils auront besoin d'une AVE, qui est une autorisation de voyage électronique. C'est un formulaire que cette personne-là va remplir via Internet et payer à peu près 5 à 7 ou 10 dollars canadiens pour pouvoir rentrer ici au Canada. Les voyageurs suivants doivent détenir une autorisation de voyage électronique pour monter à bord d'un vol à destination du Canada. Toutefois, ces voyageurs n'ont pas besoin d'obtenir une AVE s'ils entrent au Canada par voie terrestre ou maritime. Par exemple, les citoyens que je vais évoquer pour vous qui ont ces passeports, ils ont besoin d'une AVE s'ils vont voyager via la voie aérienne en avion. Donc, ils doivent avoir une AVE qui est une autorisation de voyage électronique. Et s'ils veulent voyager, par exemple, s'ils veulent rentrer au Canada par voie terrestre ou maritime, donc par exemple ceux qui arrivent des États-Unis par voiture, par autocar, par train ou par bateau, y compris les navires de croisière, donc ces personnes-là, ils n'ont même pas besoin de visa pour pouvoir rentrer. Et je vais relater tous les pays qui n'ont pas besoin de visa pour rentrer au Canada. Ils ont seulement besoin d'une AVE qui est une autorisation de voyage électronique. Et ce sont les pays suivants. Si vous avez un passeport allemand, Andorre, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brunei, Darussalam, Bulgarie, et puis aussi les citoyens britanniques d'outre-mer, réadmissibles au Royaume-Uni, citoyens de territoire britannique d'outre-mer qui ont obtenu leur citoyenneté par la naissance, par filiation ou par naturalisation ou par enregistrement dans un des territoires britanniques d'outre-mer. Là, je veux parler de Anguilla, Bermude, Gibraltar, île Pitcairn, île Caïman, île Falkland, île Tsukaikos, île Vierge Britannique, Montserrat, Sainte-Hélène, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie. Et puis aussi, il y a l'État de la Cité du Vatican. Les voyageurs doivent posséder un passeport ou un document de voyage délivré par le Vatican. Finlande, France, la Grèce, Hongrie, île Salomon, Irlande, Islande, Israël, mais seulement les voyageurs doivent posséder un passeport israélien national. Okay? Les Italiens n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. C'est seulement une autorisation de voyage électronique au cas où ils voyageraient en avion. Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Mexique, les citoyens mexicains non plus n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, région administrative spéciale race du Hong Kong, de la République populaire de Chine, les voyageurs doivent détenir un passeport délivré par la RAS, qui est la région administrative spéciale, République de Corée, République tchèque, ressortissants britanniques outre-mer, Roumanie, détenteur de passeport électronique seulement, Saint-Martin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. Donc, et pour aussi les citoyens britanniques ayant le droit de résider au Royaume-Uni, Taïwan, les voyageurs doivent posséder un passeport ordinaire délivré par le ministère des Affaires étrangères à Taïwan qui porte leur numéro d'identité personnelle. La dispensation d'AVE, étrangers possédant des documents canadiens officiels, par exemple les voyageurs possédant un visa canadien valide, les voyageurs ayant un statut valide au Canada, exemple visiteurs étudiants ou travailleurs qui rentrent au Canada après avoir visité seulement les États-Unis ou Saint-Pierre et Miquelon. Donc ce sont là toutes les personnes, toutes les nationalités qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Je viens de les évoquer pour vous. Oui, on peut entrer au Canada sans un visa, mais il faut quand même une AVE qui est une autorisation de voyage électronique pour ces personnes-là au cas où ils entreraient au Canada via voie aérienne, s'ils voyagent en avion. Mais s'ils voyagent par voie terrestre, maritime ou dans les bateaux de croisière, les nationalités que je viens d'évoquer pour vous n'ont pas besoin même avec eux pour venir au Canada. Ils peuvent, avec leur passeport ou leur pièce d'identité, rentrer au Canada sans aucun problème. Je viens de répondre à cette question qui nous a demandé de faire beaucoup de citations, de citer beaucoup de pays. La liste est très très longue. Donc, vous avez la liste. Je vais essayer de mettre pour vous un lien à la description de cette vidéo afin de pouvoir voir la liste complète de tous les pays qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. N'oubliez pas, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer encore une fois au niveau de Immigration TV Canada. Notre objectif, c'est de vous informer concernant les différentes procédures d'immigration, les différentes informations qui concernent l'immigration canadienne et les différentes opportunités de travail aussi au Canada. Et n'oubliez pas, la grève a pris fin, Dieu merci. Le gouvernement fédéral va recommencer à traiter les dossiers, surtout pour ceux-là qui ont des demandes de visa de visiteurs, des visas de résidence permanente, des demandeurs d'asile. Et donc, on va pouvoir retourner sur votre dossier. Soyez content parce que la grève, Dieu merci, n'a pas duré longtemps. Excellente journée à tous. Au revoir.